Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, petit vlog avec moi. Donc cet après-midi, je vais aller voir Ali, je vais m'en occuper. Et je vais peut-être faire une petite balade avec ma maman à pied et moi à cheval. Donc on va faire une petite courte balade, juste histoire d'aller le voir, de faire un petit truc sympa. Et après, je m'en occuperai, je lui ferai tous ses soins. Donc pour cette balade, j'ai envie de mettre le licoletto et le filet, d'utiliser le filet uniquement si j'en ai besoin, mais le but sera d'utiliser uniquement le licoletto, donc on va voir ce que ça donne. J'avais déjà essayé et ça avait pas donné grand chose, parce que c'était quand je l'avais eu, c'était que les débuts où je l'avais eu, donc forcément il avait pas encore tous les codes, on se connaissait pas très bien, etc. Mais là maintenant, on se connaît bien, etc. Il est habitué à moi, donc on va essayer le licoletto. C'est parti. Bien évidemment, je mets le filet par-dessus. Vous allez me dire, oui, pourquoi tu n'as pas directement mis juste le licoletto? Je le mets par sécurité et uniquement par sécurité, parce que c'est la première fois. Donc on ne sait jamais s'il vient à avoir peur d'un truc ou à quoi, et à s'emballer. Au moins, si j'ai pas les freins, j'aurai le mort au cas où. Voilà. Bon, alors pour commencer, je vais devoir aller me changer puisque je rentre des cours, puisqu'on est mercredi. Et moi, le matin, on a cours. Donc je vais aller me changer. Vous connaissez la petite transition, c'est parti. Donc là, je suis prête. Donc petit pantalon Cavaliero, mes chaussettes Pénélope et un petit sweat. C'est parti. Alors, pour cette séance, on va prendre le tapis Harcourt Divine. Oups, hein. Et le Licol Bleu Canard de ma marque. La Ali Mobile, la fameuse. Et attendez, regardez à l'intérieur. J'ai mis. Parce que je me suis dit que sûrement le fait de marcher sur un sol noir, ça devait lui faire peur comme il ne voulait pas rentrer. Donc on a commencé à mettre du copeau. Voilà, donc j'avais des hamsters, donc j'ai mis mon ancien copeau de hamster et on ira acheter du copeau pour terminer tout ça. Et voilà, là on a le caoutchouc qui est aussi arrivé, qu'il faut qu'on mette pour la sécurité, sinon il va déraper sur le bois, c'est pas très adéquat. Les barres là-bas de sécurité, enfin il est vraiment super bien. Tac, et mon passe-temps préféré. Refermez ça. En fait, j'ai un fou rire depuis tout à l'heure. Parce que ça là, Grainéa machin. Mais ça m'a fait grave penser au truc d'anniversaire. Vous savez, quand les trucs pour. Comme ça là. Et voilà, et c'est mon petit délire. Bonjour. Bonjour mon cœur. Oh, tu as le nez tout mouillé. Tu as besoin d'aller boire. Tu es tout craton ici, hein. Oh mon dieu, mais ces cochons, on va tous se nettoyer. Il y a les souris qui ont dû... Ouais, tu vois, là, c'est beaucoup plus... Je ressens de la volonté. On est trop beau. Petite astuce, vous mettez d'abord un doigt
quand vous fermez votre lieu de licol. Comme ça, après, il va descendre petit à petit. Là, quand vous faites le tas de bois. Comme ça, il descend après. Ouais. Non, je vais juste monter mon cheval en licoletto. Du coup, pour sécurité, comme il n'a pas fait souvent de balade et tout, encore en licoletto et qu'on n'a pas fait grand chose en licoletto monté, au niveau du travail monté, ben, je vais mettre par sécurité le filet et j'espère que ça va bien se passer. Comme sa prochaine balade, on pourra faire carrément sans le filet. Juste avec le licoletto. Et après, on passera du licoletto à la cordelette. Non, on en est loin. Mais on y arrivera un jour. Ah bon, oui. C'est juste, t'as envie de rester comme ça. Petit poney indien. Allez, trottez. Allez. Oui, c'est un piaf, mon cœur. Allez, on marche. On marche pour récupérer tout ça. Allez, on marche. Et oui. Ah. Est-ce qu'on n'est pas bien ici? Et là, on dirait une gogole, mais j'essaie de le rassurer. Ok. C'est bon, mon tapis n'est pas parti. Il y a des cocottes. Il y a des cocottes. Ah ouais, ça pousse un petit trou comme ça, petit trou de travail. Il a vu les poules, il est en flip. Il est en flip total. Ah non, mais il y a des oies là-bas. Là, clairement, j'ai failli passer par-dessus. Allez.
Et là, c'est ma mère qui se prend pour une rainette. Qu'est-ce que c'est? Nounou. Mais oui, tu fais l'andouille. Mais c'est à toi de le diriger, hein. Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pas toi qui le dirige, dis donc. Bon, du coup, comme il a commencé à pleuvoir, on rentre. Donc il a été vraiment nickel du début jusqu'à la fin. J'ai pas eu une seule fois à utiliser mon filet. Je l'ai juste pris au cas où dans mes mains pour le galop, mais sinon je l'ai pas utilisé. Je l'ai juste utilisé une fois parce que il voulait pas trop sortir la tête de l'herbe, mais c'est tout. Après il a été super nickel, franchement je l'ai adoré. Il a été vraiment le plein million des ponytous. Donc voilà, super petit poney, super petite baladou. Donc on a marché, trotté et un petit peu galopé. On a fait une petite longueur de galop. Là, c'est par là mon kiki. Là, ouais. Alors on a encore du mal sur la direction, donc je vais aussi l'utiliser. Il est bloqué. Allez, merci. Là, c'est là-bas. Voilà. Allez, le chemin. Et donc voilà, nickel, super petit prince. Attends, stop. Youps. Stop. Le déceler. Et puis après, petit retour au pré parce qu'il a été super mignon. Voilà. Oui, c'est l'automne, au printemps. Je ne sais pas si vous entendez, mais il pleut des cordes. Tiens, t'as de l'eau fraîche. Oh bah il y a des araignées d'eau. T'as de l'eau bien fraîche. Oui. Ouf, ouf.
Non. Là. Moi, j'aime pas l'eau. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Je te rappelle que t'as déjà failli me noyer. Ouais. C'est qui a sauté? C'est pas moi, hein. Moi, je t'ai pas dit saute. Je t'ai dit quoi? Il y a une grosse bête derrière moi, faut que je saute. Moi, je t'ai pas dit ça, hein. Tombé sur le lingot d'or. Non, c'est juste une mode de terre. Je ramasse les poils du monsieur Zadada. Est-ce qu'il fait sa mue? Mamie, ta mue, toi. Mamie, ta mue. Bonheur de la mue. Donc maintenant, je brosse ma 200 grammes, donc la couverture d'Ali, 200 grammes, pour pouvoir la plier et la ranger, parce que maintenant, l'impair est suffisant, et puis si on en a re-besoin, bah, je la ressortirai, mais pour l'instant, l'impair sera suffisant, comme les nuits sont très douces. Donc, je viens de voir qu'on vient de passer la barre des 13 000 abonnés sur YouTube, donc je suis super contente. Un grand merci à tous parce que bah, ça fait super plaisir. On est de plus en plus nombreux, donc c'est trop chouette. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à mettre un gros pouce vers le haut. Ça me fait plaisir et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo.